Merci, Madame Laurence Wachenbrock-Mialon, pour La République En Marche. Merci, Madame la Présidente. Madame Chen, actuellement, seulement 70% des enfants d'une classe d'âge sont examinés en bilan de santé à l'école maternelle. Cette activité a certes connu une augmentation ces dernières années. Seuls 67% des enfants étaient concernés en 2012, mais le taux de couverture varie de 30 à 97% selon les territoires. En Outre-mer, les chiffres sont encore plus alarmants, comme à Mayotte, qui ne dispose que de 2 médecins scolaires pour une population scolaire de 100 000 enfants. Parmi les mesures annoncées par le secrétaire d'État, M. Adrien Taquet, donc chargé de la protection de l'enfance, 100% des bilans en école maternelle devront être réalisés d'ici 2022 et un référentiel national unique sera défini pour établir la conduite de ces bilans en école maternelle, contenu et outils de dépistage. Le travail de Santé publique France découle de la stratégie nationale de santé et des orientations des lois santé et d'éducation nationale dans le cadre de la politique éducative de santé. Comment pensez-vous que Santé publique France pourra accompagner ces mesures? Et pourriez-vous nous donner également votre avis sur certaines de ces mesures et plus précisément sur les bilans de santé en maternelle des enfants de 3 à 4 ans? Merci.